S'il te plaît, baisse cette arme. Le coup pourrait partir. Je ne crois pas que tu veuilles tuer qui que ce soit ici. Ça, qui sait? Elle a bien tué ma fille. Non, je ne l'ai pas tuée. Combien de fois est-ce que je vais devoir te répéter la même chose? Elle est tombée toute seule dans les escaliers. C'est un accident. Et en plus, je ne veux pas vous faire de mal à vous. Mais si vous tentez un truc, je me fiche complètement de tirer un coup ou quatre coups. Alors vous ne bougez pas, est-ce que c'est compris? Qui est-ce que tu veux tuer dans ce cas? À ton avis? Celle qui est là. Je peux savoir pourquoi tu as été mettre ton nez là où tu ne devais pas, hein? Hein, réponds-moi. Tôt ou tard, on allait finir par te découvrir. Intègre-le, Liliana, tu ne peux pas échapper à ton destin. Mais quel destin? Tu as passé ta vie à te mêler de la mienne au point de la bousiller totalement. Oui, tu as bousillé tout ce que j'aimais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas interférer une nouvelle fois dans mon destin et quoi? Mourir à ma place? Personne ici ne parle de mourir. Liliana, la seule chose de sûre, c'est que tôt ou tard, tu vas payer pour ce que tu as fait. Payer? Comment? Enfermée dans une cellule comme toi? Ou en tuant tous ceux qui croisaient en train de mon chemin jusqu'à ce que je meure? Hein? Non, ne sois pas ridicule, Lucia. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais pas avant de t'avoir envoyé en enfer avant moi. Arrête, Liliana! Arrête! Mais où est-ce que je l'ai déjà vu? Je viens à l'instant de mettre le signe fermé, Liliana. Ne t'en occupe pas. Ne t'inquiète pas, papa, je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu fais ici, Junior? Avant n'importe quelle excuse, et viens. Je dois te parler à tout prix, c'est extrêmement important. Je reviens tout de suite. Bien sûr. C'est bien ce type-là. Donne-moi ça. Non, n'interviens pas là-dedans, maman. Je ne compte pas m'en aller. Je ne pense pas bouger d'ici. Tant que tu ne l'auras pas donné. Liliana, ma chérie, ça suffit. Tu vas mal. Tu t'enfiles ces satanées drogues. Moi, je n'en peux plus. Tu as commis suffisamment de crimes. Donne-moi cette arme. Je t'en supplie. N'interviens pas dedans, maman. Je te jure que je suis prête à tout. Prête à tuer ta mère aussi. C'est ce que tu veux, maman. Me tuer, hein. Tu arrives à le faire rien qu'avec ton comportement. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu es en train de défendre notre ennemi juré. Oui, Lucia, qui m'a volé l'amour de mon père. Celle qui m'a volé ma place dans la famille, celle qui m'a volé l'amour des hommes que j'ai toujours aimés. C'est elle, notre ennemie, maman. Ouvre les yeux, bon sang, il faut qu'on s'en débarrasse là. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Tu me l'as toujours dit, maman, c'est toi qui me l'as appris. Non, je n'ai jamais voulu que ni elle ni sa mère meurent. Lucia n'est pas notre ennemie. C'est mon erreur. C'est de ma faute, ma chérie, si tu penses comme ça. Et c'est ta sœur. Ça suffit, Liliana. Lâche ce pistolet, je te l'ordonne. Non, je ne vais pas le faire. Pousse-toi, laisse-moi faire. Pousse-toi, laisse-moi faire. Maman, maman, attention, maman, ne te vois pas. Maman, pour l'amour de Dieu, attention, s'il te plaît. Non, maman. Non, maman, pas toi. Non, pas toi, pas toi. Pas toi. Abel, tu l'as tué, Liliana. Abel, 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 compte sur l'eau, donne-moi ton papier. Vite.